Je suis en train de faire le montage vidéo là et je viens de remarquer que je n'ai même pas fait de vidéo de présentation de cette voiture, que je n'ai pas fait de vidéo de fin de cette voiture, que j'ai à peine 2-3 photos qui se battent en duel. Bon, du coup, on va le faire tout de suite. Je vous présente une Audi RS6 Quattro modifiée. Avec 720 chevaux. Un beau bébé. Franchement, c'est monstrueux un RS6. Je vous montre ça tout de suite. Je ne vais pas blablater pendant 3 heures. Je pense que ce que vous voulez voir, c'est la voiture, forcément. Je vous montre ça tout de suite. Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est arrivé sur la pire. C'était la pire vidéo pour que ça m'arrive. J'ai complètement zappé de prendre en vidéo la voiture terminée. J'étais tellement à fond dans cette voiture que j'ai complètement oublié de la prendre en vidéo. J'ai la copine du monsieur qui m'a envoyé une vidéo de quand elle sortait du garage. Je vous la montre, je vous montre quelques photos que j'ai prises entre deux, que j'ai envoyées justement au propriétaire du véhicule. Je suis vraiment désolé. Aidez-moi. Franchement, j'étais tellement à fond dans la voiture que j'en ai complètement zappé de prendre la vidéo. Genre, c'est. Faut le faire. Genre, je me dis, c'est une des voitures qui. La plus importante que j'ai fait, parce qu'attention, c'est un sacré budget, hein, cette voiture. La seule qu'il fallait pas oublier, je l'ai fait. J'ai réussi. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Bon, moi, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Abonnez-vous quand même, s'il vous plaît. C'est une maigre compensation comparée à l'erreur que je viens de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Pareil, j'ai l'Audi TT que je prépare en vidéo, celle de Déborah, où j'ai fait le avant-après. Bon, les jantes, j'ai pas pris en photo parce que c'était vraiment pas intéressant. Elle est terminée, on vous montre ça. Et d'ici là, prenez soin de vous.